Déployez. J'ai reçu quelques articles qui tiraient comme un gant. J'aimerais voir ce que tu proposes. C'est toujours un plaisir de faire affaire avec toi. C'est parfait. Sincèrement. C'est un choix judicieux, mon ami. Ce sera tout? Je pars. Porte-toi bien. C'est toujours un plaisir, Eivor. Thank you.
Calivore. Nous allons pouvoir recruter d'autres guerriers et constituer le plus redoutable équipage à avoir jamais écumé les rivières d'Angleterre. Nos guerriers ont maintenant un lieu pour se reposer et s'entraîner. C'est un bel abri, oui. Il devrait attirer de nombreux Yoms vikings lorsque la nouvelle se répandra. Cela me rappelle une chose. Quelques-uns de tes guerriers aspirent à devenir ton second. Tu devrais en choisir un ou une.
Très bien. Que mon lieutenant me rejoigne. Je dois prendre congé. Adieu. Un homme fort que tu cherches. Tu l'as trouvé. Tu as besoin de quelqu'un, je serai là. Aitam, Ranvi m'a demandé de venir te voir, à propos d'amis dans les villes d'Angleterre. En effet, Lunden, Jørvik, Winchester, les trois villes sont infestées par des membres de l'ordre auquel appartenait Kjotve. Mais son influence s'exerce bien au-delà. De toutes les contrées de ce monde, je crois que l'Angleterre est la plus touchée. Génère-t-il les mêmes troubles que ceux que causait Kjotve en Norvège ? Pas seulement des troubles. Il répand un fléau d'illusions et incite hommes et femmes à s'abaisser et s'asservir en échange du pouvoir. L'affaire semble te tenir à cœur. Bien entendu. Ce qu'on ne voit pas n'a aucun but. Libérer le corps et l'esprit des hommes de toutes les entraves autres que naturelles. Mais cela fait plus de 4 siècles que nous sommes absents d'Angleterre. Ceux qu'on ne voit pas n'y agissent plus depuis la chute de l'Empire romain. Cette absence a permis à l'ordre des anciens de croître et de prospérer. Notre tâche promet d'être difficile. Mais si nous avions un bureau, Basim et moi pourrions nous mettre au travail. Si tu as le temps et les moyens d'en bâtir un, nous te serions très reconnaissants. Je vais voir ce que je peux faire. Ce lieu sera parfait pour mon travail, Eivor. Merci. Ma foi, si ton travail doit nous être utile, autant veiller à ce que tu puisses le faire dans de bonnes conditions. Je pense que oui. Nous avons un ennemi commun qui a profondément planté ses griffes en Angleterre. Élimine ces gens là où ils sont les plus forts, et tu auras beaucoup plus de facilité à nouer des alliances. Ils agissent désormais librement à Lunden. Si tu réussis à les chasser de cette ville, on t'en sera reconnaissant. Je vais parler de ton idée à Ranvi. On verra ce qu'elle en pense. Bien. Mais auparavant, il y a autre chose. Un cadeau que j'aimerais te faire. Un cadeau ? Je ne peux pas te le montrer ici. Tu veux bien m'accompagner ? J'accepte. Je te suis. Je sens comme un poids dans ta respiration, Aitam.
Ta blessure te trouble-t-elle encore ? Oui, j'en ai peur. J'ai une douleur dans la poitrine contre laquelle je n'ai pas de remède. Prends du repos. Tant que ton esprit demeurera vif, tu te remettras. Naturellement. Mais je répugne à déplaire à mon mentor. Tu risquerais ta santé, ta vie même, pour plaire à Basim. J'avoue ne pas comprendre. Je ne te demande pas de comprendre. À notre arrivée, j'ai remarqué l'ombre d'un soupçon dans ton regard. Un doute. Une méfiance. C'est une question ? Non. Une simple observation. Es-tu en état de diriger ce bateau ? Oui. Ne t'en fais pas. Seuls les efforts prolongés m'épuisent. Je me fatigue rapidement. Et quel est ce cadeau que tu veux m'offrir ? Il ne vient pas de moi. Il s'agit de quelque chose que tu dois t'offrir à toi. Encore des mystères. On s'amuse avec toi. Bon, je vais le dire autrement. Ce cadeau ne s'offre pas plus qu'il ne se reçoit. C'est un mode de vie. De plus en plus drôle. Il sera plus facile de te montrer que de le décrire. Alors je vais patienter. Pardonne cette facétie. Nous appelons ce cadeau le sceau de la foi. C'est l'un des rites les plus sacrés de la confrérie. Ce n'est pas quelque chose que nous utilisons contre nos ennemis, mais une manière de forger notre résolution. Comme tes méditations, cela recentre notre esprit, affermit nos mains et chasse la peur de notre cœur. Et de manière plus pratique, cela facilite nos déplacements, qu'il s'agisse de fuir ou d'être discret. Tu parles d'un saut, mais nous grimpons une hauteur assez raide. Et voilà encore, l'ombre du doute. Nous y sommes presque. Notre destination se trouve là-bas. Toi, je te soupçonne de vouloir me jeter de cette falaise. Est-ce que c'est ça ? Dis-moi au moins si je suis sur la bonne voie. Et quoi ? Gâcher la surprise ? Pour exécuter le sceau de la foi, tu dois t'abandonner à quelque chose de plus grand. Les dieux ? Non, toi-même. Embrasse l'espoir que la mort ne viendra pas avant de t'y être préparé. Et si tu y crois, toute peur s'évanouira. Notre mort est déjà tissée dans la trame qui compose le monde. Craindre une telle vérité serait une perte de temps et de larmes. Bien. Alors ton esprit est déjà prêt pour cette leçon. Je vais sauter le premier. À mon signal, tu me suivras. Repose-toi sur ta foi, ta force, et prends ton envol. Tu veux donc que je saute ? Et d'ici ? Oui. Plutôt me laisser pousser des ailes et m'envoler. Merci pour ta leçon, mais... Attends. Et regarde. Haïtaf ! Haïtaf ! Espèce de fou ! Est-ce que tu t'es fait mal ? Tu vois ? Ma foi a été plus forte que ma peur ! Les feuilles et l'humus ont surtout amorti ta chute ! Hey. Une chute parfaite ! Qu'en as-tu pensé ? Tu disais vrai ! De la folie et de l'ardeur ! Et la peur en a été chassée ! Un cadeau à moi-même. Je comprends maintenant. Merci de m'avoir montré le chemin. Je t'en prie. Et merci à toi, Eivor, de m'avoir écouté. Tu as qualifié ce saut de la foi de rite secret. Ce qu'on ne voit pas, le pratiquent-ils tous ? À ma connaissance, oui. C'est un rite d'initiation qui date d'un peu avant la naissance du Jésus des chrétiens. Est-ce que tu espères m'initier ? J'essaierais si je pensais que tu désires nous rejoindre. Mais ce n'est pas ma tâche en Angleterre. Basim et moi traquons une plus grosse proie. L'ordre des anciens. Oui. Tu te souviens du médaillon que tu as arraché du cadavre de Kyodve ? C'est son symbole. L'ordre constitue un fléau que nous espérons éradiquer. Comme nous, il agit en secret.
mais son but est de régner sur le monde, pas de le libérer de chaînes artificielles. Le désir de régner n'est pas propre à cet ordre. Sigurd et moi voulons aussi un territoire qui soit à nous, et l'honneur qui l'accompagne. Ne vous compare pas à ces gens. L'ordre est dépourvu d'honneur, de principes, d'humanité même. Il est pourtant assis sur de nombreux trônes d'Angleterre. Si tu cherches à pacifier cette contrée au profit de ton clan... Il est peut-être alors dans mon intérêt de t'aider. Je comprends. Tu cherches les alliances. Nous voulons éliminer la gangrène dont souffre l'Angleterre. Là où ses espoirs se rejoignent, nous avons cause commune. Ces terres peuvent te paraître tenues par des Jarls inoffensifs et des Thanes balourds, mais en y regardant de plus près, tu percevras une menace plus grave. La main invisible de l'Ordre est partout. Elle façonne toutes choses et insinue son poison dans chaque couche de la société. Du plus humble pêcheur au plus grand négociant, des Thanes... Basim m'a confié une tâche ici. Identifier et éliminer les membres de l'Ordre des Anciens en Angleterre, où qu'ils puissent se cacher. Si nous coopérons dans ce but, cela nous profitera à tous les deux. Tu auras plus d'influence sur les royaumes d'Angleterre. Et toi, plus de médaillons à compter. Exactement. Tu devrais commencer par Lunden. Je dispose de rapports indiquant que l'Ordre entend s'emparer de la ville. Je vais aller en parler à Renvi. Et tant que tu y seras, cherche notre symbole. Il y a quelques siècles, ceux qu'on ne voit pas avaient des bureaux dans toute l'Angleterre. Il y en avait 6, je crois. Si tu les trouves, fouille-les à la recherche de documents portant le même symbole. Cela faciliterait grandement mes études. Je le ferai. Merci, Aitan, pour tout cela.
temps de purifier cette âme souillée. Yeah.